Ils sont peu à avoir eu le privilège d'entendre les derniers morceaux de Johnny Hallyday. Les derniers mois de sa vie, entre Los Angeles et Marne-la-Coquette, le rocker enregistrait ce qui allait être son 51e album en compagnie de ses fidèles musiciens et amants, et de son épouse, Laetitia, devenue sa directrice artistique. Sur son compte Instagram, celle-ci a partagé plusieurs fois le travail effectué en sa présence. C'est Maxime Nuxi, Sébastien Farran, le manager de la star, et Yarol Poupeau qui ont veillé à ce que le résultat final fasse honneur au rocker. Dans un entretien au journal Le Parisien, celui-ci expliquait « Aurait écoute les bandes qui ont été enregistrées. Je pense que personne ne sait encore exactement combien il y aura de chaînes, sont au final. Il ne s'agit pas de faire du rempli, sage, de mettre des morceaux infinis, de l'à peu près, il ne faut que des chaînes, sans que Johnny revendique complètement et dont il serait fier. » À Europe 1, quelques jours après la mort de Johnny Hallyday, son ami le producteur Jean-Claude Camus confessait avoir lui aussi entendu quelques extraits. Il m'a fait écouter 7 ou 8 chansons. Je peux vous dire que la voix qu'il a sur ces 8 chansons alors qu'il les a enregistrées malades, ça va être quelque chose de magnifique, de superbe. L'auteur-compositeur Pierre Billon aurait aussi eu le privilège d'entendre les dernières productions de son ami. De manière informelle, David Hallyday et Laura Smet auraient aussi entendu quelques chansons de cet album. Aujourd'hui, les deux enfants aînés de Johnny Hallyday se battent pour avoir un droit de regard sur le contenu de celui-ci. L'audience sur la question doit avoir lieu au tribunal de Nanterre le 15 mars prochain. Crédit photo, Cribina / Best Image.